souhaiter la bienvenue ce gâteau de crabe et avocat, accompagné d'une émulsion de concombre et servi avec ses graissins au parmesan. Je vous recommande de commencer dès à présent avant que l'émulsion ne vienne. Je me poursuivons sur la seconde mise en bouche. Bille de gastéropode panée et frite à déguster en une seule bouchée de préférence, secouant le chou à l'intérieur. Nous poursuivrons avec les éprouvettes, crème de persil et petites crèmes fouettées. À boire tout simplement. Si vous avez du mal à atteindre le fond, n'hésitez pas à touiller avec le petit bâtonnet. Sachant que vous avez au centre de table un rince d'eau à l'eau de rousse. Nous poursuivons avec madame, carré d'agneau de lait, l'estragon, feuille de romane, rhum et lard fumé. Pour monsieur, le fin grain du mésangue servi de deux façons. Donc vous avez la queue assaisonnée aux herbes dans son eau samouel, un steak bain contre-filet tout juste cuit, accompagné d'une sauce gamay. Et vous poursuivrez avec ces quelques gnocchi, polenta et lard fumé. Pour vos noms, accompagnez le fin grain du mésangue avec un tour de poivre. Voici pour madame, monsieur, l'avant-dessert, un gâteau de semoule verveine au cœur crémeux de citron. Je vais vous laisser vous servir, petite sucette sur les mêmes parfums de citron et de verveine. Donc Vincent vous a rajouté une petite fragrance parfumée aux huiles et séchées. Voici donc pour madame, clafoutis cerise servi chaud avec amandes effilées, cerise suspendue caramélisée, un pot givré au yaourt. Poursuivons avec dans la chope, cric sans faux col, différentes émotions grillotes. Pour monsieur, madeleine pistache servie chaude, accompagnée de verrines fruits rouges et de son coulis. Vous avez sur la droite panna cotta vanille surmontée de sa barbe à papin, fleur de capucine. Et vous commencerez avec une sucette glacée framboise et fraise tagada. Bon appétit. J'aime le corps. Oui, on voit les petites choses. Ils se connaissent là.